Bonjour tout le monde. Hello tout le monde. Ça va bien? Alors, on se retrouve sur Cécook. Ça va? Ouais, on se retrouve sur Cécook aujourd'hui pour une nouvelle recette. On reçoit déjà dans un premier temps Emily Bollock et Mister Love Elle est pas qui dedans, sont avec nous. Voilà. Hello. Salut, comment ça va bien? Ça va? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour la recette? Ready. Comme d'hab. En forme? Ouais, ça va, ça va. Donc aujourd'hui, on reçoit qui, Alex? Alan Ozone et puis Nadia Ozone, c'est Madame Ozone. Alors on regarde si c'est Madame Ozone. Ouais, elles sont toujours là. Hello, là. Hello! Et comment ça va, Alan? Salut, Alan, Alan! salut. Allô? Alan, on te voit, mais on ne t'entend pas. Toi, Alan, tu nous entends? Langage des signes, Alan, peut-être? Je vous Bonjour. entends? Je ne vois personne là, mais Tu fais exprès, non? j'entends. J'entends, mais tu vois pas. Ouais, c'est ça, C'est j'entends, ça, mais je ne c'est vois pas. ça. Il nous Tu fait vois pas. On est marcher. combien? On est combien là, Alan? Ouais, j'avais compris. Il y a combien de doigts? Combien de doigts? Ça va être long là, hein? Ouais. Ne vois pas Comme... sérieusement? Je ne vois Alain, personne. Là, je vois déconnecte, reconnecte peut-être. que des petits carrés orange là, très très vides. Ouais. Passe-partout. Ouais. Combien de doigts tu vois, Ozone, Alan? Bah alors, déconnecte-toi et reconnecte-toi. Après, il faut songer Parce qu'on à va pas pouvoir faire comme ça. l'opérateur. Oh là là, Ozone. Je sais pas. Alain, déconnecte-toi, reconnecte-toi. Alan, il faut changer d'opérateur téléphonie, internet, il faut changer. Non. Merci. En fin de compte, Alain, c'est pas que sur Ah. son live, en fait. Oui. Oui. Ah bah là, maintenant, il est figé. Ok. C'est sa connexion. Allez, tu te déconnectes, tu te reconnectes. En attendant, nous, on met nos tabliers et Et on passe aux ingrédients. on passe aux ingrédients. On fait trois apéros aujourd'hui, hein, c'est ça? Alors, oui. Tu Alors, passes aux j'espère ingrédients, que vous hein? aussi, C'était la vous fin avez du préparé. jeu. Voilà, on passe aux ingrédients. J'espère que vous aussi, vous avez pu voir les posts et que vous avez préparé vos ingrédients. On va cuisiner ensemble avec Emily et Mister Love d'un côté et puis Alan, Ozone et Nadia de l'autre, s'ils arrivent à se reconnecter. Mais ça, c'est pas sûr. Ouais, c'est mes problèmes. C'est facile pour ta Tu chaîne. comprends pourquoi le titre? Eh, nous, après les amis, je veux dire que. Ouais, on rigole pas. On n'a pas envie de se salir surtout. Vous n'avez pas le choix. Je Sauvez-moi, aidez-moi. Moi, sais ça me déchauffe plus. Elle m'a jamais d'être habillée pour faire le cinéma. Cuisiner. Il est parti. Alors, attends, est-ce qu'Alain est là? Si on a le Alain n'est pas là. Ça me va bien t'habiller. Ça va bien, hein? Ah, j'ai un physique à portée de tablier, je crois. Ah Dès que oui. vous avez besoin, vous Je pense qu'il dites. n'y a pas de physique. Dès que vous avez besoin de modèle tablier, je suis là. Je suis là. Modèle comme ça. Qu'est-ce qu'on. Bon, on s'entend plus tous les deux. Bon, bah, si on chantait plutôt. Bon, on est prêt. Alain, de panique. De s'énerver contre Nadia, genre c'est de ta faute, la connexion Internet et tout. Voilà. Moi, je mets les ingrédients toujours. Alors, les ingrédients, qu'est-ce qu'on commence par quoi? On attend pas. On attend Alan quand On même? attend Alain? Ouais. On attend, on attend. Tu peux chanter toujours en tout temps. J'ai une chanson que j'ai dans la tête depuis quelques années. Non. Quelques années? Et me donne-moi l'espoir, l'espoir, là, là, là. Je ne peux plus de ces chansons, je ne peux plus. Heureusement Tu peux qu'il y chanter. a. Tous les jours, ça. Heureusement qu'il y a la nouvelle qui est sortie il y a quelques jours et qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Ben oui, justement. Ah, ça marche bien, hein. Il y a pas mal de demandes, pas mal de téléchargements. Ah, c'est top. C'est bien. Ça. Ouais, est-ce que ça, alors, c'est pas la première que tu mets en stream comme ça sur les réseaux légaux, mais c'est-à-dire que tu vois les stats et tout, tu sais combien de personnes écoutent tous les jours. Ouais. On a les stats et tout, donc ouais, ça bouge bien. Ça bouge bien. Je vois quand même pas mal de téléchargements, de coûts en streaming. Donc,
pour un bon, c'est un bon démarrage. C'est un peu récent quand même pour Maurice au streaming comme ça, les gars. Ouais, ouais, c'est vrai. Nous qui avons beaucoup vécu à Maurice, c'était surtout dans les magasins, les CD, tu les avais entre 40 et 100 euros. Non, ah, on peut plus faire maintenant, mais oui. C'était plus facile de les changer. Je vais sur cette porte de gêne, je vais juste la fermer. Je trouve ça mal en décor. Non, non, pas la fermer. Dans un studio. Bon, Alan, parce que ma pâte feuilletée, elle va commencer à ramollir. C'est pas top parce qu'il fait super chaud. Alan, on va voir si Alan est là. Alors, t'as perdu Émilie, tu l'as revendue? On part sur faire les courses, ça fait mince, je veux bien. Non, ça va. Alors, on a tout pris, c'est bon. Merci à tous d'être sur le live. Salut Pierre, ça salut Pauline. Ça n'a pas encore commencé, ne vous inquiétez pas. Johanna, Pauline. Oh, bonjour tout le monde. On attend juste Alan. Voilà. Ah. Elle va se chercher tablier. Elle a bien fait. Elle. Eh ben oui, hein. Top. Elle est rouge, c'est blanc et Alan, je crois, je sais pas quelle couleur il va mettre. Mais c'est mes celui-là. Mais tu as une très grande maison parce que tu es parti très longtemps quand même. Faites comme nous, faites les partages live avant qu'on va commencer. Ah, on entend partager aussi. Tac, tac, tac. Alan, il est. Tu essaies d'appeler Alan peut-être? Il est parti chez Intel. Alors, Alan. Ah, bah, Alan. Non, mais... Il est là. Ah, il est là. Monsieur Ozone, comment ça va? Oui, monsieur Fuller Nutrition, Alain Escarven, là, monsieur Brodé, monsieur Brodé. Alain, tu nous entends? Voilà, voilà. Depuis la ronde 3, c'est ça, mais. Je vais très bien, on t'entend. M'entend-on? On t'entend, on te voit. Je suis là. Nous, on entend toi. Nous, on entend toi. Ça va? Est-ce qu'il nous voit? Il est figé. Il est figé. Oui. Oui. Bon, ça va être sympa. Ça va... Hey, t'es classe, toi? Ouais. Moi j'ai l'impression d'avoir une robe. C'est très bizarre ce que tu as fait. Non, plus les tocs. Bonjour. Bon, c'est bien ou on fait les tocs? Alan, Nadia, on vous voit. Nadia, on t'a pas vu encore. Bonjour Nadia. C'est bon? Oui, oui, c'est bon. Oui, nous c'est bon. Nous c'est bon. C'est un peu. Alan, on va... Allez, est-ce que tu nous entends, Alan? Il ne sait plus quoi faire, il se prend la tête. Alan, c'est pas grave, on a la cool, on a l'habitude, on est en live, c'est le deuxième. Et on sait que tes connexions Internet, ce n'est pas la meilleure du monde. Non, pas. Ça va, Nadia? On t'entend. Ok. Oui, bonjour. Ça va? Bonjour. Nadia et Alan nous rejoignent. Non, ça va bouger de temps en temps, ça va dépendre de leur connexion. Bon, on va commencer quand même. Ça va, Nadia. Il y a un gros décalage. Un gros décalage. Ah, voilà. Allez, il faut profiter. Est-ce que la cuisine, c'est le meilleur endroit où tu captes? Je ne sais pas. Hey, moi, j'ai un problème. Émilie et Farah, en tablier, c'est la classe. Bonjour. Miss Sarlotte, ça va à peu près. Moi, je suis en robe, les gars. Salut. Farah, t'as bien, Émilie. Je vous jure, c'est un tablier. On trouvera un tablier pour la prochaine fois. Un plus court. Ça peut être court, quoi. Ouais, On mettra pas de t-shirt. On va voir déjà comment tu cuisines.
C'est ça. On va voir déjà comment tu cuisines. Oh là là. Moi, ma spécialité, c'est le carpaccio et le steak tartare. Si tu cuisines bien, on t'achètera un tamis. Sinon. J'ai un couteau dans le matin. Sinon, non, tiens. Allez, c'est bon. Vous êtes prêts? Tout le monde est prêt? Alan, tu nous entends? Nadia, vous nous entendez? Oui, non, toujours pas. Il y a un gros décalage, je crois, avec Alan. Nous, on vous voit. Oui, on entend. Et on vous entend bien. On entend. Ah, là, on entend. Voilà. Tu nous entends, mais il doit y avoir un décalage. Là, il y a un décalage. Il y a un décalage. Il y a un gros décalage. Je crois qu'Alan, il est très, très, très loin dans un pays imaginaire. C'est ça. Un pays imaginaire. Bon, ben, nous, on est prêts. Alors, on va faire le premier apéro, celui où il y a besoin de la pâte feuilletée. Vous vous rappelez les ingrédients, on avait besoin d'une pâte feuilletée, celui-là, de la moutarde. Oh, ouais, j'entends. Ouais, c'est là. C'est pas interdit. Ok, bah écoute, Alan, on démarre la recette et s'il y a quelque chose que tu n'entends pas, tu nous arrêtes et puis on recommencera. Donc, je recommence pour la première recette donc de la pâte feuilletée, classique. Ah, Alan est parti. Pour l'ouvrir. Alors, dès qu'Alan revient, ben voilà, donc la pâte feuilletée pour commencer. La moutarde et les saucisses. Alors, ça dépend de la taille de vos saucisses, si elles sont longues, pas longues. Allez. Et je regarde maintenant en temps si Alan. C'est le caméra bleue qui fait ça aussi. Oh, non, c'est bon là-bas. Non, c'est les saucisses. Tu veux encore mettre les saucisses? Combien de saucisses? Ouais, c'est pas trop. Ça dépend si elles sont épaisses, si elles sont longues. Comment sont vos saucisses? Quand j'ai un peu Ludo, tu vois? C'est quoi ta saucisse, Ludo? On les coupera plus fines parce que moi, regarde, elles sont plus fines. Elles sont plus fines, tu vois? Donc on les coupera différemment, mais bon, c'est pas trop important. Et les olives? Vous avez eu des olives? Ouais, des olives. Voilà. Allez, on commence par quoi? Je ne sais pas. Comment? Est-ce que vous savez comment on retire les sous-titres sur le live ou pas? C'est celui-là. Comment? Pas très agréable les sous-titres. On a les sous-titres sur le live. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Il faut cliquer juste en haut. Et désactiver les sous-titres. Voilà, c'est quand tu cliques sur l'écran. Quand tu cliques sur l'écran, tu as la case. On a les sous-titres parce que c'est là où on va poser nos mains et sinon on ne va pas voir. Là. Vous voyez la disposition du truc. Farah? Yes. Est-ce qu'on mettra dans un four pour cuire ou c'est comment? On va avoir besoin du four, mais je sais qu'il y a un petit souci avec ton four. Et le... Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire celui-là. Moi, je vais le mettre au four. On va passer au deuxième. Au troisième, et quand on aura fini, toi tu mettras au four et tu enverras une photo sur ces coups pour nous montrer comment ça. J'ai ce petit four là que je peux utiliser aussi. Bon, bah, si tu as un petit plat qui rentre dedans, bah, c'est bon. Ouais, j'ai ça. Tu sais, c'est de la pâte feuilletée et puis ça va être bah, très bien. Très bien. C'est de la pâte feuilletée et ça va être des petites fleurs. Donc tu mettras celle que tu peux faire et tu feras la suite après. D'accord, ok. Nickel. C'est bien, tu retiens bien mes petits soucis, hein. J'aime bien. T'as pu enlever, Alex? N'arrive pas. Non, on n'arrive pas. Non, mais comment pas. Alors, quand tu cliques... Regarde, Alex. Prends le téléphone. Enfin, t'es sur quoi? C'est sur le téléphone? C'est sur l'ordi, là. Ah, sur l'ordi. Ah, en dessous, je suis sur l'ordi. Bah, écoute, on va regarder.
Dans le live, il n'y a pas de souci, sous-titres seulement. Ah bon, c'est juste en anglais. Ah, si, ah, bah, parce que c'est pas calculé. D'accord. Bon, bah, c'est ton problème alors. Moi, je me suis donc, d'accord. Bon, ça y est, c'est tout. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On commence sans Alan ou l'idée à revenir? Alan n'est pas là. On ne s'aimait pas de jamais terminer. Mais sinon, c'est pas ça, c'est ça. C'est, si on l'attend trop, après. Peut-être qu'il nous reviendra pour la deuxième. Bah, écoute, alors sinon, on démarre la première recette. Hein. On démarre la première recette et puis on. Allez, ouais. Bon, les gueux, donc on prend notre pâte pétée. Ouais. On va ouvrir. On l'ouvre, on l'étale. Tu as normalement, tu as un petit papier sulfurisé en dessous, enfin un petit papier de cuisson sous ta pâte ou pas du tout? Oui, tu en as un, bah, tu le gardes. Et j'en ai un. Ok. Alors, on prend les saucisses. Il faudra couper nos saucisses parce que c'est trop gros. Hein. Oui, il faudra les couper. À la vaisselle. De toute façon, on va les couper. Donc, on va prendre les saucisses, on va prendre la saucisse, on va la placer. Et selon la longueur de la saucisse, nous, on va les couper. Donc, Alex va les couper, je vais couper la première. On va couper des rondelles de saucisse d'à peu près 2 cm. Tu vois, ça donne à peu près ça. 2 cm. Comment te dire, bon, moi j'ai des petits doigts. Mais... De la taille, si tu veux, d'une olive. Voilà, en hauteur. Allez. Hop. Tu vois la saucisse, tu vois l'olive, à peu près de la même taille. Ça, okay. C'est mon olive, et ça, c'est les saucisses. Donc, de la même taille à peu près. Ceux qui voient, comme ça. Ouais. Et donc, Alex, tu vas continuer à couper les saucisses comme ça. Attends, je vais voir comment il place. Ah, t'as pas encore placé, Eric. Non, juste les coupes. C'est Ludo qui est en train de les couper là pour l'instant. Ouais. Ou ouais. C'est toi. C'est alors pendant qu'il y en a un des deux qui coupe, l'autre il va à la pâte feuilletée et il va faire des bandes avec la pâte feuilletée. Ok. Merci. Et tu vois, il va faire des bandes avec la pâte feuilletée à peu près les mêmes dimensions que la saucisse. Tu vois, tu prends une saucisse, tu la mets par rapport à la pâte feuilletée. Et tu coupes des bandes de la même taille. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu fais des bandes d'environ pareil, même dimension. Sur toute la longueur de ta pâte. Oui, ça c'est ça. Ah, toutes les saucisses? Ah, tu dis boulot. Ouais, tu feras toutes les saucisses. Attends, on ne voit pas comment tu découpes la pâte feuilletée, Farah. En long? Ah ouais. Attends, je vais hop, de ce côté-là. Voilà, tu vois. Des lanières toute la, sur toute la longueur. Tu vois là, comme ça, Milly? Ah, allez, ça bouge. Ok. Ah, ok. Ouais. Bon. Ben écoute, on peut pas je pense que tu peux le faire déjà. Je ne sais pas si ta pâte feuilletée est grande ou pas. La mienne est très grande, donc je le fais déjà sur la moitié de ma pâte feuilletée. Ça, c'est bien, c'est bon. Ouais. Moi, j'ai fini le coupage de saucisse. Hein. Je dis que, par exemple. Du deux aussi, le découpage de saucisse. Est-ce que... Alain dit c'est un problème de connexion. Alain a un problème de connexion, il essaye. Mais... Bah, il ne me rejoint pas au fur et à mesure. Là, ça. Bon. Mr. Love, pas 3 jours pour copier de saucisse, s'il vous plaît, monsieur. Un peu de rythme. Ça va, c'est fait. C'est bon. Hein. Ok, bon, ça peut voir. C'est
Fais voir les saucisses. Ouais. On contrôle la taille. Ouais, c'est bon. Là, c'est de la saucisse coupée. Ouais. Ouais. T'étais chef, toi, avant? Moi, j'ai fait chef. Ouais, dans une vie entière. Ouais. Ouais. Ouais, c'est bon. Voilà. C'est bon, Milly? On va commencer par les bandes du... On va commencer par les bandes du milieu. Et moi, c'est... ma pâte est assez grande. Comment est ta pâte, toi? Montre-moi un coup comment ta pâte. Elle est aussi grande que la mienne ou pas? Non, je te montre. C'est comme ça. Oui, elle est là. OK. Donc, tu peux couper, toi, en deux. À partir du milieu, tu coupes en deux. Ouais. Moi, je vais couper en trois parce qu'elle est très, très grande. D'accord. Toi, tu coupes en deux. Tu coupes en deux ta première bande du milieu. Ça donne ça. Ça donne d'accord. Une bande que j'ai coupée en deux. OK? Attention, c'est ça le but pour le micro. Comment tu coupes ça, j'ai fini. Ouais, nous, on est à fond, moi. Alors. Voilà. Ouais, apparemment. Et là, tu vas te retrouver normalement avec trois bandes comme ça en face de toi. Donc trois demi-bandes, puisque tu les as coupées en deux. Regarde si c'est. C'est droit, lui. Alors, on est où? Trois bandes et plein de morceaux de saucisse. Comme ça, hein? C'est ça? Je sais pas. Il y en a moins. Bah parce que elle coupe en trois parce que c'est trop gros. Moi, je coupe en trois parce que ma pâte, elle est très grande. La pâte d'Emilie est un peu plus petite, donc elle peut couper en deux. Puis en plus, vos saucisses, elles sont plus larges de diamètre. Donc, je pense qu'il faut que vous coupiez en deux. En deux. Ouais. Et tu prends trois bandes dans les deux que tu as. En fait, tu prends une bande et demie du coup. Une bande entière que tu as coupée en deux et une demi-bande. Et ça te donne ça. Bien. Une bande entière. Ça veut dire quoi ça? En milieu. En du milieu, c'est ça? Ouais, celles du milieu, elles sont plus grandes. Ouais, voilà. Tu les mets sur le plan de travail de Ludo et tu mets les trois l'une à côté de l'autre. Elles sont à peu près de la même taille. Avec le truc en dessous, tout? Non, non, tu mets juste sur ton sur quelque chose que tu as pour travailler. Parce que de toute façon, tu vas mettre de la moutarde dessus. La pâte à feuilleter était sur un… Non, pas besoin. Non, sur un papier, sur le papier de cuisson, non, tu le laisses. D'accord. Donc, je vais mettre trois comme ça? Ouais. Voilà, tu mets juste tes trois bandes devant toi et toi, devant et Ludo, ça c'est ce qu'Alex va faire, tu vas mettre de la moutarde sur la face de devant des… Attention. Mais pas tout seul, un petit peu de moutarde. On étale un peu de moutarde. T'étales un peu de moutarde. Pour comme ça? Un petit peu plus, quand même. Voilà. Vous voyez bien ou pas? D'accord. Et après, tu mets directement dans la bouche. Hop, la moutarde sur les trois bandes. Bon. Ouais. Bon, c'est fini. Premier Ludo. Deuxième Ludo. 1-0, allez. Bon, après, de toute façon, t'as la chef juste à côté de toi, hein, t'as l'avance. Allez, bon. Nous, il faut qu'on assimile d'abord et ensuite mettre en action, tu vois. Donc, Allez, Ludo. Allez, Ludo.
Hey, mais il n'est pas revenu, Alain. J'espère que ça va là, chez lui. Alain, il a dit qu'il a un gros problème de connexion. Il essaie avec le téléphone, il essaie avec l'ordinateur. Il a vu nos beaux tabliers, il s'enfuit. C'est ça. Et il dit non, internet connexion. Non, mais tu sais, il a c'est le problème. Hein. Depuis l'autre jour, il avait tout ça. Il faut changer d'opérateur. Ah ouais. C'est ça clair. Ça ne marche pas. Alors, on en est où? C'est bon? Allô, au milieu de la moutarde. Ah, Ludo, tu as mis de la moutarde, il a mis un tout petit peu. C'était ok. Ouais. Bon. Bah, c'est normal, ça pique. Oui, oui, pour voir, Ludo. C'est pas une grande pour toi. Allez, vas-y. Il n'y en a pas beaucoup, beaucoup, regarde. Hein. Il y en a un tout petit peu. Il hein. Faut le manger après. Voilà. Oui, chef. Oui, chef, chef, oui, chef. C'est bon, ah, tu sens. Tu vas prendre ton plan, tu sais ce que tu vas mettre dans le four. Pose-le ouais, à côté de toi. Voilà. Tu vas prendre ta pâte qui est là et tu vas la refermer comme si tu. Toi, juste tu appuies. Attends, hop, juste tu appuies au milieu. Et tu la refermes comme si que ça faisait un cercle. Okay. Tu la vois? Attends, du papier cuisson aussi, attends. Oui, mais du papier cuisson pour pas que ça, que ça colle. Ou un plat, ou anti-adhésif, ou ce que tu veux. Et une fois que tu as réussi à le coller comme un cercle, en fait. Un bracelet. On dirait un joli bracelet. Comme un bracelet. Mmh. On peut sentir sur le bijou, après, du bijou fantaisie, on peut pas fait. Et bien, tu le poses. Sur ton papier cuisson. Ok? Ah, je suis figée. Voilà. Et tu fais pareil pour le deuxième. Tu recolles les extrémités. Tu le poses à côté, mais vraiment à côté, presque collé, quoi. Et pareil pour le troisième. On va en faire d'autres, Alex les fera. Hein? Je suis pas prêt pour ça. Voilà, ça met un peu de moutarde sur les doigts, mais bon, pas bien bien là. Voilà, donc ça te fait, merci, ça te fait trois cercles l'un côté de l'autre. Ouais. Allez, maintenant que tu as tes trois cercles, tu vas prendre un morceau de saucisse que tu vas mettre d'un côté du premier cercle pour le faire tenir. Et une olive d'un côté. D'un côté, d'accord. Ouais, d'un côté des extrémités. Une olive de chaque, une olive et une saucisse. Et après, tu fais l'inverse. Tu mets une saucisse et une olive de l'autre côté. Qu'est-ce que tu as fait, chérie? Il faut ne pas faire ça. Et pareil pour le dernier, la saucisse et l'olive. Attends. Donc en fait, ça te fait une saucisse, quand tu les regardes de face, ça te fait. Quand tu les regardes de face, ça te fait une saucisse, une olive, une saucisse, une olive, une saucisse, une olive. Attends, mais c'est... tu sais, il y a de l'espace encore. Il faut remplir. Oui, enfin. Non, pas encore. Tu mets juste une olive de chaque côté, une saucisse de chaque côté. Même si c'est vide là au milieu, c'est fait exprès. Ah d'accord, ok. C'est fait exprès. Non, il ne faut pas mettre tout ça là. Il faut laisser comme ça. Juste une saucisse, une olive, une saucisse, une olive, une saucisse, une olive. Voilà. Même s'il y a de l'espoir, c'est pas... C'est ça en fait, par un dit. Quand vous êtes prêts, vous me dites. Attends, bon. Je vais voir où t'en es. Attends. C'est pas si. Si, c'est bon, mais il faut que tu les rapproches et que tu les mettes, regarde, comme moi. Comme... Presque collé, en fait. Ouais, ok, j'ai compris. Regarde. Ah d'accord, ok. Il faut que ça, il y a de l'espace entre en fait.
Il ne faut pas qu'il y ait d'espace entre les pâtes, mais il faut qu'il y ait de l'espace entre la saucisse et l'olive. Ah, d'accord, ok. Et chaque pâte, en fait, doit être collée à l'autre. D'accord, ok, j'ai compris. Voilà, je remonte. Voilà, comme ça, pour ceux qui veulent voir. Donc, une olive, une saucisse, une olive, et de l'autre côté, une saucisse, une olive, une saucisse. Ouais, ok. Ouais, vous me dites quand c'est bon. C'est bon. C'est bon pour vous. Tiens. Allez, super. Maintenant, vous allez prendre, si vous avez deux bâtons, moi j'ai des bâtons à sushi, ou alors une cuillère, deux cuillères, quelque chose qui a un bout un peu arrondi. Même les bouts d'une cuillère, tu vois. Quelque chose de long et d'arrondi, ou même le bas du couteau, tu vois, par exemple, le haut du couteau. Pas si court. Attends. Quelque chose de rond. Il vous en faut deux. Moi, j'ai pris des bâtons de sushi. Des bâtons de sushi. Il y a Alan qui est en train de se connecter. Alan. On va refaire d'autres, donc de toute façon, il aura le temps. On va se retrouver en bas. Alan est en train de boire. Merci Alan pour ta compassion. Toi, entends-nous. Toi, entends-nous, Alan. Bonjour. Non, on ne voit pas là. Bonjour. Alors, un dans chaque main. Souci de connexion. Alex, il va me le tenir et je vais le faire. Vous allez regarder et après, on en fera d'autres. Alors. Un dans chaque main. On se met de chaque côté, tu vois. Un là. Alors, je suis devant. Un là. Et là, on appuie. Hop. Et on serre un petit peu. D'accord. Faites déjà ça, dans un premier temps. Je n'ai pas capté. Ça bouge, j'aurais dû mettre un. On est de chaque côté et on peut serrer un petit peu au milieu. Ça fait une fleur. Non ? On l'a pas fini. Ouais. Ça va faire une fleur. C'est pas une fleur pour nous. Alors attends, une fois que tu l'as serré, tu peux la remettre un peu bien. Hein. Tu peux écarter un peu les pétales de manière à ce que ça fasse plus joli. Et après, avec ton bâton, au milieu de la fleur, le centre de la fleur, tu vas appuyer. Il va pas. Me suivre. On va en faire d'autres, hein, Mimi. C'est pas grave si le premier, il est un petit peu. Vous allez prendre le coup de main, à force. C'était trop. Il fallait pas, en fait, il fallait pas couper au milieu. Il fallait couper en long. Tu dirais trois quarts. Vous avez serré trop fort et la fleur s'est coupée. Non, ça s'est pas coupé, mais ça se referme pas quand on fait une fleur, en fait. C'est trop petit. C'est pas bon. Ah, la pâte pelletée n'était pas assez longue. Tu aurais pu tirer. Ouais, sur la prochaine, on tirera un petit peu dessus. Ouais. C'est pas grave. Mais là, pour finir la mienne, comme elle a été resserrée au milieu, je vais appuyer avec le dos de mon bâton. Là, je vais appuyer au milieu, hop, pour pas que ça s'ouvre. Ah, ben ouais. Ben, on enlève ça, ça va pas être bon. Ça. On enlève ça. Donc, à la finale, ça va donner ça. Ok. Ok. Ça devrait donner ça. À la finale, ça devrait donner ça. Et donc là, on va le mettre. On va en faire d'autres, nous, avec Alex. Il faut en faire combien? On va en faire plusieurs. Tant que vous avez de la pâte et des saucisses, vous en faites. Yes. Alors, attends, moi, je suis responsable de la moutarde. Donc, hop. Non, je vais mettre la moutarde et puis tu vas les fermer. C'est son moyen. Oui, mais tu vas essayer. Comme Ludo, j'ai peur que ça fasse comme Ludo et Emily. Mais justement, c'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend. Bon, bah, et vous, ouais. Si vous essayez ou pas Nathalie dit non, ça a l'air super bon. Ouais, il faut le cuire d'abord.
C'est très joli. C'est joli, c'est écrit. Oh, c'est joli. Merci, merci pour vos commentaires. Là. Non, ça, voilà. On a mis la moutarde. Donc, Alex. Ah ouais, alors ça, j'ai compris. Ouais. Tu vas prendre. Bon, on fait le petit bracelet. Là. Si tu pouvais les mettre les uns derrière les autres, ça serait sympa. Comme ça, on va passer en plus. Voilà. Tiens, t'en as encore un à faire là. Je t'ai fait le deuxième, tu peux faire le troisième. Voilà, on met le deuxième. À côté. Alors là, c'est beaucoup chacun en plus. Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Et on va voir Alex si tu as suivi. Ah. Les saucisses et les olives. Et on attend ceci, ça va. Non, pas vrai, j'en ai encore un, merci. Allez, vas-y, toi, tu peux mettre saucisse olive, saucisse olive. Après, pour ceux qui n'aiment pas les olives, vous pouvez faire que saucisse, une fleur de saucisse complète. Ou pour ceux qui n'aiment pas les saucisses, une fleur d'olive complète, des olives noires, des olives vertes, à vos guises, quoi, ce que vous aimez. Bien, Alex. Salut. On va fermer nos micros. J'ai fait plus que le troisième langue. On les entend plus, hein, notre côté. Non. Problème. Houston, j'ai l'impression que tu n'es pas collé. Tu n'es pas collé. Je ne sais pas. Voilà. Allez. Voilà, et tu peux en mettre. T'as un très beau dos, Mister Love. Il cache, et il a appelé le traiteur, c'est très bon. Alors, une fois que c'était comme ça, après il faut resserrer, c'est ça que la gueule. Ouais. Alors, une baguette, deux baguettes. Bon, les gars, c'est là que c'est la galère. Ah. Attends une minute, j'arrive. Ah, je sais, au pire. Tac, tac, tac. Oh mon Dieu, que c'est joli ce que j'ai fait. Je crois que le même plus beau que ça. Oh là là, c'est la vérité. Ah, waouh, super. Ah, tu vois, super, il n'y a plus là. Voilà. Non, pas en tournant. Ah, pas en tournant. Eh, n'appuyez pas en tournant. Allez, appuie. Voilà, c'est bon. Parfait. Voilà. Allez. Lequel est le plus joli? Celui-là? C'était le premier. Ou celui-là. Allez, t'as pas fini, Alex. Ah bon? Ah, mais non, c'est pas un apéro qu'on peut se voir nous dans un restaurant, d'accord? Ben, ça, c'est pas assez pour. C'est un vidéo. Allez, ça va? Et si vous êtes aussi en train de le faire en même temps que nous sur, devant la Facebook, envoyez-nous les photos par message. On les mettra. Parce qu'on fera peut-être l'élection du plus beau, de la plus belle rosace. Pour l'instant, c'est moi qui gagne. Hein. Oh. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais. T'en bats pas. Hein. Là. Allez, tiens, Alex. C'est parti. Hop. Ah, d'accord. Ça va, on a pu le faire. Bon. Super. Allez, bah, on continue. Fais voir. Attends, non, je viens de dire, on a pu le faire. Waouh. Ouais, mais Alex, il prend pas le point. Wow. Ouais. Ah, allez. Moi, j'ai trop de pâte. Allez, vas-y. Allez, Alex. Et on fait encore la même chose. Allez, mets les saucisses et les. Et les olives. Allez. Les olives. Alors, on met les olives ici. On met la saucisse. Ça va. Trois quarts d'heure pour faire trois rosaces. On est bien. C'est les premières qui sont un peu compliquées. Et puis après, ça va assez vite normalement. C'est pas le plus mort. Hop. Ça a failli l'équipe. Attends. J'ai promis. Voilà. On parle de tout à l'heure. C'est horrible parce que là, tu fais un apéro, tu as l'impression d'être jugé quand même à chaque fois que tu fais un geste.
tu vois, Mimi, quand ta bande, elle est trop petite. Moi, par exemple, cette bande là que j'ai pris, elle est trop petite. Tu D'accord. peux un peu tirer dessus. Tu peux tirer un petit peu dessus. Ouais. Elle va s'étirer. Tirer, ouais. J'ai fait ça, en voilà. fait. C'était trop petit, ouais. Voilà. Allez. Oh, c'est... Je jette mon... Allez, tu mets les... Merci. Je referme ou je remets là ? Je vais fermer. Ah, t'as pas confiance en nous, Thomas ? Oui, tu vas fermer celui d'après. Voilà. Cherche le volume, on a passé. 3, non, c'est bon, si on s'arrête là, c'est bon. Il y en a encore après ou pas ? Il reste un peu pas, on va en faire 6 le temps qu'ils finissent. Le temps qu'ils finissent ? Wow. Non, mais il faut en faire 4 ou 6. C'est un jour. Je sous-estime. Non, t'entends plus, hein. Mais ça va, t'entends plus, hein. Si, il vient de te demander si tu le sous-estimais. Ah, j'ai pas entendu. C'est moche, hein. J'ai pas eu le son. Alan, il est parti. Alan est parti demander s'il pouvait ne pas payer sa facture de. D'accord. Alan, il va se retrouver avec tous les ingrédients. Bah, il regardera la vidéo, puis il refera derrière nous. Il va être dégoûté, il va dire oh là là, j'ai acheté tout ça. Et il vous prépare, il voilà. Ouais. Et là, il se fait rembourser chez MTEL. Ouais. Là, il va remplir MTEL, je te jure. Hein, parce que depuis l'autre fois. Depuis bah, c'est dommage de faire des vidéos et d'être. Bah oui, parce qu'il a. C'est chiant. Tu payes un abonnement ouais. et t'arrives pas à faire un. Enfin, même pas, t'arrives même pas à l'utiliser. Oui, parce qu'on l'entendait pas du tout. Pas mal de petits coucou là sur le. Ah ben tu fais hein, parce que là on nous. Coucou. Attends, j'ai perdu mon mari. Coucou, coucou, coucou. Ludo, il lui a dit n'importe quoi, Ludo. Je te dis je fais coucou, tu fais coucou. Coucou. Ouais, coucou à qui ? C'est pas coucou, coucou comme coucou. Ça. Hein. Allez. Là, ça te c'est ça. C'est... Oui, mon cochon. Bon, on en est où avec ? Ben, on en est là. Eh ben, on attend alors. Eh ben, vas-y. À toi de mettre ce qu'il y a. On en a 43 et vous ? Quoi ? Bah oui. Attends. Arrête. Bon. C'est du rythme. Hein. C'est bon, hein. La saucisse, le lit, la saucisse, le lit. La saucisse. Allez, pas grave. Ne touche pas, ne touche pas. Allez, laisse comme ça. Voilà, on va en faire nous 6, on va faire une dernière et puis on va garder le reste. Vas-y, le. Hop. On ferme, chérie. Et hop. Tiens, tu veux fermer ? Non, non. Pardon ? Pourquoi ? Je ne sens pas, là. Je passe même par les bandes. En tout cas, c'est là, vous ne voyez pas si je le rate ? Non, si, c'est bon. Regardez, il est là. Voilà. Nous, on est en train de faire notre dernier. Alex a massacré l'avant-dernier. C'est pas le plus beau. Oh non, mais ne tapote pas, t'appuies un coup. Tu appuies un coup d'un coup, regarde dessus, tu appuies, tu laisses appuyer. Ah, tu appuies fort, toi. Et tu ressors. Il ouais, bah, faut que ça se colle. Tu fais ça avec délicatesse. Non, si, tu le, si, c'est trop, si c'est pas assez collé ça, à la cuisson, la pâte feuilletée, elle va gonfler. Mmh. Ça va se défaire. Allez, Alex, t'en as d'autres déjà prêts. Pas le temps de boire, en plus. Oh. Chef, oui, chef. Ah ouais, c'est la plaisanterie. Hein. Voilà. Nous, on va s'arrêter à 6 parce que je trouve que c'est pas mal déjà. Comme ça, on va pouvoir les mettre en cuisson et monter un peu ce que ça donne. Alors.
Cher candidat, il vous reste une minute. T'imagines les mecs dans les concours de cuisine, ils ont une heure et demie pour faire des plats avec 4000 ingrédients. On a une saucisse, une olive et de la pâte. Ça fait une heure qu'on est. Alex, t'as pas fini là ? J'ai pas fini. Allez. Mais je ne veux pas non plus distancer Émilie et Sarah. Et moi, ils tombent tout seul. Voilà. C'est beau. Alors, il y en a qui demandent sur le live où sont Alan et Nadia. Ah bah, nous non plus, on ne sait pas où sont Alan et Nadia. On les attendait et puis je crois qu'ils ont eu un problème de connexion. Oui, c'est ça, ils ont un problème de connexion. C'était depuis la dernière fois, il avait ça. Et bah, il était connecté. Après, là, je pense que ça n'en est pas. Bah, je pense que c'est déconnecté. Ils ont un souci de. Attends, il a des phases. C'est ça, ça coule, il n'arrive même pas à regarder le live. Ah bah, il n'arrive même pas à regarder le live. Pas avoir une USB avec la grosse. Ouais, bon. Et ben... Alors, nous, nos six sont finis. Voilà. Et vous ? Voilà. On peut soit les mettre au four. Donc, je dis pour ceux qui regardent, on peut soit les mettre au four comme ça. Soit si on n'a pas d'allergie aux œufs comme Mr. Love, on peut prendre un œuf. Un jaune d'œuf. Un jaune d'œuf. On récupère que le jaune. Et on va mettre un petit peu de jaune d'œuf sur notre pâte. De manière à ce qu'elle soit bien dorée. Mais ce n'est pas une obligation. Hein. C'est vraiment pour que ça soit plus joli, plus doré. Bien sûr, si on n'a pas d'allergie. Je sais pas si tu vas aimer ce commentaire, Mr. Love. Mr. Love, il fait rire. Dans les commentaires, il y a Pauline qui dit Mr. Love, il fait rire. Je sais pas pourquoi elle dit ça. Je sais pas. Je sais pas comment il faut le prendre. Je sais pas comment le prendre. Hein. Je sais pas. Moi, je le prendrais pas hyper bien, mais après, c'est entre toi et Pauline. Vaut mieux qu'il passe la photo. Déjà, t'appelles Mr. Love et pas truc. Donc déjà, tu veux. Déjà, t'as gagné. On gagne en level, déjà. Voilà. Non, mais justement, j'allais venir. Hier, quand même, la finale était trop facile. Hein. J'avais toutes les réponses. T'avais toutes les réponses. Toi, t'aurais gagné la finale. Ouais. Ouais, sûr. La demi, c'était comme la finale. Ouais, c'était un peu finale. Tiens. Ouf. Voilà, donc moi c'est prêt, je vais aller mettre ça au four, 180 degrés, pendant à peu près 10-15 minutes à surveiller. Quand c'est doré, c'est prêt. Moi, on marque ça. Combien de temps t'as dit ? 180 degrés pendant 10 minutes, 10-15 minutes à surveiller. 10-15 minutes au four à 180 degrés, et vous surveillez parce que ça cuit très très vite et que ça peut passer de pas cuit à trop. Bon, sérieusement, vous en avez fait combien ? On en a fait 4. Ouais, parce qu'après, le premier était... Chacun ? Chacun ? Ouais, on a fait 4. Mais le premier a été endommagé, saccagé. moi aussi, mais... Okay. Alors, pour le deuxième, on va déjà proposer ça. Attends, mais je vais aller nettoyer mon temps de travail, si tu te permets. C'est bon. Bah, nous aussi, hein, je pense que c'est bon. Donc ça, c'est le premier, c'était feuilleté saucisse olive, c'est ça ? C'est ça. En forme de rosace, très joli.
en forme de rosace. En forme de rosace. Enfin, forme de rosace, tu vois. Wow. La pâte. Coupe, Alex. J'attends la cuisson. Ça va comment ça? Ah, ça a l'air beau. En tout cas, ça a l'air joli. Tu vas faire quoi? Tina a dit Farah, qu'est-ce que tu fais là? J'ai faim. C'est l'apéro, c'est pas le repas, c'est l'apéro. Nous, on a des applications pour faire. C'est quoi? Ah, les deux, ils inventent quelque chose là. Ben, il faut que tu mettes un. Il est dans notre création? C'est pas comment. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, mais il prépare quelque chose. Alors, ouais. Je prépare le plan de travail. Ben, il y a des petits morceaux de pâte de feuilles. De pâte. Ouais, tiens, voilà, tu peux mettre des olives. Je mets des olives et des saucisses dedans, coupées, tranchées. Donc, ben, ça, on va laisser. Oui, je ne suis pas obligé de faire de rodasse. Ben, Joaquin qui dit Alexandre Lignac, on en est très loin. Au lieu de jeter tout le reste, tu vois, donc, c'est de. Ouais, t'as raison, faut pas gâcher, faut tout récupérer. Vous me dites quand vous avez fini, on passe à l'apéro numéro 2. Alors, j'ai juste une question, est-ce que quand vous mettez dans le four, ça va tout exploser ou pas? Ben là, non, on ne fera pas. 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 10-15 minutes, il faut regarder le temps. Parce que... Et que le fou, il prend beaucoup d'énergie. Vous nous rappelez dans les commentaires quand ça fait 10 minutes, s'il vous plaît. Au revoir. Pas bon problème. On y va. On met les ingrédients pour ceux qui viennent d'arriver. Il doit avoir des petits saucisses. On fait trois d'apéro. On fait une mousse de thon, concombre au fromage et feuilletées saucisses et olives. Feuilletées saucisses et olives sont déjà au four. Là, on va commencer le concombre au fromage et après, on fera la mousse de thon. Les ingrédients, vous les retrouvez dans les postes. Sur la page, c'est cool. Allez, on va mettre les lignes. Dès que le dos et les lignes sont prêts, on démarre la mousse. Non, les concombres au fromage. Donc pour le concombre, on y est ou pas? Vous avez tout là. Les saucisses, c'est les olives lâchées maintenant. Hein. Allez, vas-y, dis-le. Bon, j'explique les ingrédients. On va expliquer les ingrédients en attendant pour le concombre. Qu'est-ce qu'il faut? Alors, pour le concombre, au fromage. Au fromage. Un concombre, je pense qu'un demi nous suffira. Un demi concombre. Ouais. Deux gousses d'ail pour un concombre entier, mais bon, du coup, comme on va faire qu'un demi concombre, on prend qu'une seule gousse d'ail. Ok. Ok. Ciboulette, que d'ail. Comme à Maurice, c'est que d'ail, que d'oignon. Et en France, c'est ciboulette. Et du fromage frais, Philadelphia ou. Ce que vous trouvez en fromage frais du moment qu'il n'est pas aromatisé, nature. Je n'ai pas eu de Philadelphia, donc j'ai pris une autre marque, il n'y a pas d'importance. Alors, Alex, tu vas commencer. On arrive à une expérience. Moi, je repars le truc. Profite. Vous n'êtes pas prêt? Ah ouais, vous n'êtes pas prêt. Moi, là, ça va, combien de temps? 180 degrés pendant 10-15 minutes, m'a surveillé. 180 degrés. D'accord. Et tu surveilles de temps en temps parce que ça dépend des fours. Voilà. D'accord. Je pense que pour nous, ce sera pour 30 minutes.
Non, je ne suis pas sûre parce qu'il est petit, son four. Donc, comme il est petit, la chaleur va rester dedans, ça sera peut-être plus rapide. Bah, le temps que le bois prenne bien, hein. Tant qu'on parle de bonne braise, d'ailleurs. Le bois. C'est vrai. Après, c'est ça. Mais il se fait. Bon. Allez. Allez, on est en four, on enchaîne. Donc, deux concombres. Une demi-concombre. La gousse d'ail. Ouais. Et c'est parti. Toi, coupe ici. Vas-y. Non, vas-y. Oui, Alex, Farad, demi-concombre. Hein, je coupe ça toujours. Demi-concombre. Le concombre, tu peux le couper en deux. Il est bien grand ? Ah oui. Ouais. Il est bien grand. Tu peux le couper en deux. C'est ça. On va prendre que la moitié d'un. Voilà. Et on va l'éplucher, tout simplement. Allez. On lève la peau. Non, il a un bon. Par contre, avec ça, c'est des tirs à queue. Voilà, c'est fini. Merci d'être venu. Au revoir. Donc, on va éplucher. Et vous? Alors, moi, je vais en profiter. En attendant, je vais éplucher aussi une carotte. Bon, je n'avais pas demandé de prendre dans les ingrédients, mais comme ça, je vais vous montrer qu'on peut le faire aussi avec, avec une carotte. Et avec un concombre, déjà, si on arrive, c'est bien. Ça, c'est bien. Tina, tu vas rester tranquille. Hein. Tina a dit, Émilie, surveille le four, Ludo va tout brûler. Alors, là, je ne suis pas complètement d'accord. Et après, Tina, Farah, là, elle est un peu rancunière. Ça applique aussi à vous aussi, Alex va tout brûler. Mais pas du tout. Tina, elle est un peu rancunière parce que Mister Love l'a battu chez Alan. Mais est-ce que toi aussi, Alan, t'avais envoyé les questions et les réponses avant, vers 18h30? N'importe quoi. Non. Voilà. Donc, dites quand, même, quand le concombre est. Voilà. Il est encore vivant. C'est bon. Voilà. C'est bon. Allez, fais voir, fais voir, fais voir. Attends, il dit c'est bon, mais regarde. Ouais, ouais, mets ta main dessus. Alors, avec quoi tu l'as est-ce que tu as fait ça avec un couteau ou un économe? Avec un économe. Ouais. Économe? Ok. Ouais. Alors là, tu vas te placer. Tu vas mettre ton économe comme si que tu enlevais la peau et tu vas appuyer assez fort pour que ça te fasse des tranches de concombre, tu vois, toutes fines. C'est trop fine. Joli. Appuie un peu plus avec ton économe pour que ça soit un peu plus épais. T'appuies un peu plus fort. Tu vois, si t'appuies un peu plus fort, ça sera un peu plus épais. Et en attendant, bah, si c'est Émilie qui fait ça, en attendant, ce que tu peux faire, Ludo, toi, c'est que tu peux couper la queue d'oignon. Alex va le faire. Il va vous montrer. Voilà. Alors, pour couper la queue d'oignon, il nous faut un couteau. Pour couper la queue d'oignon, il faut un couteau, tu préfères celui-là, je suppose. C'est quoi, mais, le tout petit bout, je pense que... Ouais, tu coupes tout petit. D'accord. Tout petit. Voilà. Tout petit. Oui, tu essaies de faire en sorte qu'elle soit bien, parce qu'on va mettre le fromage dedans. Ah, ben là, c'est trop, en fait. C'est trop... Regarde, ça doit être comme ça, Milly. Attends, vous venez voir un coup. Ah non, ben, il faut que je prends avec couteau. Hein. Fais avec couteau, mais pas trop épais, parce que sinon, elles ne vont pas s'enrouler. Ouais, ça va. Normalement, avec ton économe, ça devrait être bon, mais il faut que tu appuies bien fort. C'est trop bon. Là, on ne voit plus ça. On peut les décaler un peu, voilà. Mmh.
Voilà. Et moi, je le fais jusqu'à arriver au grain, parce qu'après, ce n'est pas très agréable, les grains. Après, les dans la bouche. Donc là, j'en ai eu suffisamment pour faire plein de roulées. Ben, bah, nous, pas vraiment. Hein. Trop fini. Du coup, on coupe la quenaille. Vas-y, tu peux en mettre encore un petit peu. Alors, je vais en profiter en attendant. Pour faire un peu avec les carottes. Ah, c'est une bataille de choisir ou quoi? On va descendre là. On fait quelques-unes avec les carottes aussi et on voit ce que ça donne. Et voilà. Alors Alex, je crois que c'est suffisant, la moitié de... Voilà. Hop. Bon, après, si tu veux continuer de faire, continue parce qu'on va en avoir besoin pour la recette d'après. Hop. Donc tu peux faire, tu peux en faire un peu plus pour garder pour la recette après de la mousse. Je suis concentré, mais comme jamais. Ah! Et je coupe juste avec l'oignon. Voilà, donc pour ceux-là, comme là, ça. Vous n'oubliez pas au four, hein? Oui, mais ça. Oui, mais deux, vérifie. Ils vont bien. Ils vont bien? Donc ça doit donner des tranches. Mais apparemment, c'est comme ça. Bah, ça, c'est mieux. Voilà, super. Comme ça, exactement comme ça. Je surveille Alex. Attends, ça n'a jamais été aussi bien coupé de toute leur vie. Oui, c'est bon, c'est suffisant, Alex, merci. Après, c'est... Jamais, non. Alors. Là, tu es fier. Écoutez, j'ai coupé les fiers. Je suis fier comme un fou. Et une fois que bah, la ciboulette, on peut faire aussi avec l'ail. Donc là, il y a deux techniques. Bon, déjà, on enlève la peau. Hop. Et on enlève la peau qu'il y a dessus. Tu vois ? Ouais. Un peu épais, moi, je trouve. Mais après, si, c'est très bien. Ouais. C'est un art. Mais tu es un artiste. Voilà. Ça, là, t'as ta gousse d'ail. Voilà. Et moi, je l'ai touché. Alors, il y a deux techniques. Il y a la technique de ceux qui ont cet appareil-là qui est hyper pratique pour récupérer l'ail. Voilà. Si on l'a, on met dedans, on a juste à presser et on a l'ail qui sort en dessous. Et ceux qui l'ont pas, ben, dans ces conditions, ils font comme là pour la ciboulette. On coupe, hop, 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 hop. Je sais pas si on voit, hop, hop. On incise l'ail. On fait plein de petits traits à l'intérieur et après, on y va à la main comme pour la ciboulette et on claque, 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 on coupe le tout. Donc, moi, je vais le faire avec l'appareil, pas parce que c'est plus facile, mais juste parce que je récupère un peu plus de chair. Non, c'est bon, je peux regarder juste là. Ça va, j'appuie, mon ail sort tout simplement. Ah ouais, ça fait bien ça. Tu vois, c'est plus pratique. Bon, après, à la main, c'est vite fait aussi. Hein, ça donne des petits morceaux. Hein. Ouais, je vais. C'est exactement pareil. Mais c'est vrai que ça, c'est super pratique comme appareil. Ça, tu l'enlèves comme ça, tu le laves et tu mets ta gousse d'ail dedans quand tu fais tes repas et tout ça. C'est vraiment super pratique. Ça prend que la chair et puis tout ce qui est peau et tout ce qui n'est pas très digeste, ça va à la poubelle. Voilà. Donc, l'ail... Là, ici. La ciboulette, le l'oignon. Tout à l'heure, t'as mis pas. Parce que je voulais faire comme ça avec le bord, mais après. C'est et ça va bouger en même temps. Non, tu dis pas Farah, tu dis chef. Vas-y, dis-moi, Alex. Chef, oui, chef. Oui, mais j'ai dis-moi. Ouais, ça va, là, je viens de couper le live. Eh bien, super. Alors, à ce moment-là, c'est Ludo et Alex qui prennent un petit bol. On est commis en fait.
ils vont prendre la Philadelphia, enfin le fromage nature. Ah, nous on va prendre le chef. Parce que j'en avais plus. Voilà. Tu vas le mettre. Tu vas vider dans la dans le pot. Tout la moitié. Ben, tu peux commencer par la moitié déjà. La moitié du pot, comme ça on évite de faire du gâchis. Hop, là. Tu rajoutes ta ciboulette. Pas tout, hein, la moitié, parce qu'on va garder l'autre moitié de la queue d'oignon, on va le garder pour le la recette numéro 3. Donc que la moitié de la ciboulette, Alex. Voilà. Avec un couteau. Hop. La moitié de la ciboulette. Encore, oui, encore. Voilà. Parfait. T'as suivi ou pas? C'est pas con. Et tu vas mettre tout l'ail. Ouais. Merci. Le fromage, la ciboulette, et après la moitié de la ciboulette, parce qu'on la garde pour la recette d'après, et tout l'ail. Merci. Le fromage, on le prend. Tu mets la moitié du paquet, ça te suffit. La moitié du pot est suffisant. La moitié. D'accord. La moitié. S'il manque, on va le prendre. La moitié du fromage, la moitié de la ciboulette et tout l'ail. Et là, maintenant, Alex va rajouter du sel et du poivre. Pas beaucoup, un tout petit peu. Ah, c'est mélangé déjà, le sel et le poivre. Un peu de poivre, pas beaucoup. Je veux dire deux pincées, trois pincées. Voilà, deux pincées, ça sera bon. Deux pincées de sel et poivre. Et après, on mélange. Je te laisse mélanger. C'est épais, hein? Ah oui, c'est du fromage. Bien mélanger pour que l'ail soit bien mélangé. C'est épais. Ouais. C'est épais. Ouais, c'est épais, c'est normal, c'est du fromage. Oui, ça a l'air meilleur. Mais les deux sont bons, hein, tu vois. C'est le troisième. Là, c'est bien voilà, chaud, c'est assez mélangé. Attends, on va garder la cuillère. Allez, ça suffit. Il l'a bien mélangé, donc voilà, tout est bien mélangé déjà. Voilà. Alors. Là, c'est le whisky. Ah, c'est bien. Alors, vous en êtes où? C'est mélangé, c'est prêt? Ouais, c'est mélangé. Allez, on prend notre première, feuille de concombre. Mais c'est aussi fin qu'une feuille. Vas-y, chérie. On l'allonge devant nous. On l'étale devant nous. Voilà. On va prendre un peu de fromage. On va l'étaler sur le concombre. Un peu comme tu as fait avec la moutarde. D'accord. Moi, je vais le faire en même temps sur la carotte. Voilà. Une fois que c'est étalé, tu prends la partie la plus fine et tu l'enroules. Tu l'enroules. Et voilà, ça doit faire ça. D'accord, ok. Et tu le poses dans un plat, tout simplement. Allez, Alex, au travail. Le four, on en a à 19 minutes et c'est pas. Non, c'était, il y a eu l'entrée cuisson. Pendant ce temps, moi, je fais pareil avec ma carotte. J'enroule. Tu mets de l'enroule. Tiens. Et voilà. Ok, je vais essayer. Tiens, rajoutez ça. Tu veux essayer d'enrouler le premier? T'as on va mettre un petit peu plus de. On dit pas je vais le faire, je vais essayer.
Il y a une précaution quand même dans le langage. Ouais. Allez, qui le premier, Alex? Tu n'es pas obligé de. Oui. Allez, enroule. Le premier, voilà. Pardon, excusez-moi, il faut de la place, de la concentration. S'il vous plaît, j'ai un peu de silence. Il faut toute la cuisine, en fait. Allez, Alex. C'est normal. Après, c'est en période d'essai. Ça ne tient pas, non? C'est normal? Ah si, ça tient. Ah si, ça tient. Non, c'est pas normal. Alors, je vais en refaire un. Bah, avec par là, ça tient. Moi, je vais te dire. Tu l'as un peu trop serré, Alex. Du coup, tu as fait sortir le fromage. Ah, mais... C'est pas grave, tu peux le poser. Il est tout riquiqui, tu vois. Alors, faut pas tu reprends, tu prends une fois que tu as mis, tu prends là où c'est le plus petit, tu sais, là, le bout du concombre où c'est le plus petit. Là, tu l'enroules. Et hop, tu le tournes, mais pas trop serré. Tu le tournes. Et en fait, c'est ton fromage qui va faire coller. Et hop, ça tient tout seul. Tu vois? Alors, Alex, je te propose de mettre le fromage et moi, je vais les enrouler. Ah, mais là, c'est dans l'autre sens. Peut-être pas. Oui, mais je démarrerai de là, c'est pas grave. Ah, mais non, ça va tout. Non, c'est moi qui vais les enrouler. Vas-y, mets le fromage. Allez. Mais pas trop, parce que regarde, on n'a pas non plus 3 tonnes de fromage. Et puis au bout, après, ça va être un peu plus fort. On va pas venir. Voilà. Je vais prendre celui-là. Si c'est trop difficile de l'enrouler sur la table, tu le prends dans tes mains, hein, Ludo. Tu le prends dans tes mains, regarde. Tu le prends dans tes mains, tu fermes avec ton pouce le premier et tu tournes, tout simplement. Et en fait, c'est ton fromage qui va coller ton légume. Pas bon? Si, mais je voulais mettre un autre concombre. Faire un peu de couleur. Oui. Je regarde après celui-là. Mais là, on ne peut pas en manger un pendant qu'on souffle. Tu fais et puis. Hop. Tu le fais. On sent la concentration. Allez. C'est bien, c'est bon. Mais les concombres, c'est un petit peu pâte, donc normalement, le fromage, ça doit bien relever. Bon, par contre, nous, lundi, on est libérés, délivrés. Et vous? Ben non. Bon. Pas encore. Et là, ça va quand même. Lundi, on va sortir. Le magasin rouvre. Retour à la vie active. Ouais, ça va. Ça sera plus pareil par contre. Hein. Ouais, c'est sûr. Regardez les distances, mettre le masque. Ouais, c'est sûr. L'école, ça reprend normalement chez vous ou pas? Pas tout de suite. Non, pas non, non, l'école ne reprend pas chez nous du tout. Ça va reprendre à la rentrée, je pense. C'est au bon vouloir des écoles et des parents. Et des parents aussi. Et pour le lycée, par contre, par exemple, Mélanie qui passe son bac de français, elle passera quand même son bac de français. Donc, elle aura son examen au mois de juin. Mais pour ceux qui passent le bac définitif, eux, par contre, ça a été en contrôle continu. Eux, ils n'auront pas d'examen. Donc, ça a été une année assez spéciale pour eux. Bon, assez spécial pour tout le monde. Hein. Oui, ici aussi, on a dit qu'on va revoir l'année scolaire. Ouais, vrai. Pour certains. Pas pour tout le monde. Voilà. Après 3 essais, Ludo a réussi à faire. Ça va bien? Ouais. C'est bien. T'as fait le premier? Il a réussi en fait. Non, j'ai fait 3 essais. Tu vois, donc, 3 par bon et 2 la quatrième, c'est bon. Allez, Alex. Okay. Va mal, Ludo.
Allez. J'espère que c'est pour cela. C'est joli, hein, c'est plein de couleurs. Para. Oui. Pâques feuilletée, c'est prêt chez toi ou quoi? La pâque feuilletée, est-ce que oui. C'est prêt chez moi? Mélanie? Le four. Est-ce que c'est doré? Ouais. Ça commence à être doré. Donc je finis ça et après aller vérifier. J'ai mis ça à sonner déjà. Ah. Et c'est doré? Non, c'est noir. C'est brûlé. C'est brûlé. Oui, c'est doré. Ah ben super, alors tu éteins ton four. Ben, c'est bien. On pourra, quoi. C'est rapide. Mais c'est joli ou pas? C'est doré, c'est, ça brille, c'est doré. Ah, ça fait toujours rosace ou ça fait grosse boule éclatée? Ouais. Non, ça c'est pas éclaté. Ça, ça a tenu? S'ils ont bien la pluie au milieu. Ah bah oui. Ah bah allez, oui. Montez trois. Voilà. Moi, j'ai une usine à côté de moi. Je vais reprendre, attends, je vais refaire un, parce qu'il m'a enlevé la crème, je vais refaire un petit... Ah, ah. Bon, ben, tu sais, déjà, là, c'est trop gros. Voilà. Je vais refaire un petit... Ah, voilà. Bon, Alain n'est pas là. Il n'a pas eu de connexion de pot. Alors, pour celui-là, c'est fini. Hop, je vais le ranger. Je suis un petit peu dans le travail. Et Mélanie nous a ramené des feuilletés qui sont prêts chez nous. Voilà ce que ça donne. Ouais, les œufs aussi. Comme ça ? Voilà ce que ça donne. Regarde, Milly, on en a quelques-uns qui ont super bien tenu, par exemple celui-là. Ouais, c'est vrai. Et on a celui-là que sûrement ça devait être Alex qui a fait. Non. Ah, il avait du mal le serrer au milieu et du coup ça s'est un peu écarté. Tiens, je sais exactement ce qui s'est passé sur celui-là, tu reverras le replay. Je vais placer dessus, s'il te plaît. Penche un petit peu vers le bas. Pas tombé. D'accord, penche. Ah oui, bah, très joli. Voilà, ouais, super. Super. Après, moi, j'ai compté des petits trucs encore. Hein. Oui, il y a eu du rab. Super. Ouais. Ouais, très bien. Tu n'as pas eu le temps de manger à midi. Donc, cela, c'est bon. Voilà. Tiens, tu vas placer dessus. S'il te plaît. Ça se mange chaud, ça, non? Voilà. Alex, il peut déjà manger. Oui, mais c'est très, très chaud, tu vas te brûler. Et voilà, Les roulés concombres sont faits aussi. J'avais fait quelques roulés. Voilà, j'étais en train de faire. Voilà. Carottes. Bon. Ça donne ça. Voilà. Bon. C'est pas moi, ça. C'est pas ça. Bonsoir, deuxième. En attendant, non, je vais aller chercher les ingrédients d'après. Du coup, je vais garder la fleur de fraise aussi. La ciboulette, on en a là. Ça, je garde. Je vais débarrasser tout ça. Pendant qu'Emily et Miss Sandler finissent le deuxième apéro. Bon, bah, là, elle n'a pas pu se connecter, mais vous pouvez le retrouver quand même sur sa page le mardi et jeudi à 21h pour ce live à Ose avec Alan. Et nouveauté, je crois, à partir de samedi à 21h, aux enfamilles. Voilà. Aux enfamilles avec Internet, c'est ça. Et puis, il va le faire sûrement à la maison, il nous enverra les photos de ce qu'il a fait. Bon, bah, chez nous, ça ne veut pas tout tenir, mais. On a fait ça, là. Bon, on va voir ça. Déjà. Alors, allez, je vais voir.
Ouais, ça ressemble. Non, non, ça ressemble. Merci, Alex. Voilà. Ah ouais, c'est super. Ouais, bah, c'est là, à peu près. Non, non, ça ressemble. Attends, 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 pareil. Attends, attends. Ouais, super. Super joli. Oh, super. Merci. Super. Et tu verras au goût que c'est très frais. On va dire les ingrédients. En attendant, on va mettre celui-là de côté pour préparer notre troisième. On fera après. On va dire les ingrédients de la dernière recette. Alors, le restant de ciboulette, de queue d'oignon qu'on avait, que Alex et Mister Love avaient coupé. On aura besoin bah, du reste de, du fromage, pareil, qu'on s'était servi, l'autre moitié. Voilà. La boîte de tour, la boîte de thon. Parce qu'il mange. Il est en train de manger, lui. Oui, bah, tu montres après. Tu manges, et puis le citron. Bon, parce qu'on va prendre un peu de jus de citron. Si vous avez du jus, prenez du jus, c'est pareil. Ce qu'on va faire en attendant que Ludo et Mélisse préparent, nous, on va masser un peu notre citron, on va l'écraser un petit peu de manière à bien faire sortir le jus sous la peau, de d'éclater un peu les zestes. C'est comme ça, quand on va couper le citron en deux, ça sera plus facile. Tu veux le faire, c'est toi, l'homme, c'est toi. L'homme, c'est toi. Là, tu appuies. Je l'ai déjà fait, donc il a un mou, mais tu peux appuyer assez fort sur le citron. Ensuite. Alors, le dalle, fromage, la boîte de thon et le citron qu'Alex est en train d'écraser. Il faut masser le citron, tu connais ça? Il masse le citron, il l'écrase un petit peu pour faire sortir un peu le jus de la pulpe. Ça sera plus facile quand on coupe en deux. N'importe quoi. Combien de temps tu fais ça? Mais non, deux secondes, ah non, parce que là, tu te décapes. Je veux dire que le citron, le jus sort tout seul. C'est bon? Alors, on va prendre un petit bol. On va prendre un petit bol. En bol, il y a écrit « Tu es formidable et bien plus que toi ». C'est pas ton bol, c'est le bol d'Alexandre. On va mettre, on va ouvrir notre boîte de thon. Moi, je l'avais déjà ouverte. Et on va vider le thon dans le bol. Voilà. Alors, ce que vous avez fait avec le citron, vous allez faire pareil avec le thon. Vous allez l'écraser un maximum. Vous pourrez le mettre au blender, mais bon. On peut le... Ah non, on a des bras. On a des bras aujourd'hui, donc... Allez, tu écrases bien. Le blender, oui. Il y a quelqu'un qui te dit, Alex, Pauline, c'est ma sœur. C'est Pierre. Eh bien, fais un petit coucou à Pierre. Coucou Pierre. Alors, on écrase bien. C'est bon, c'est bien écrasé. Ça, c'est super rapide, hein, par contre. Hein. Normalement, ça va te faire un petit accompagnement que tu pourras mettre sur du pain ou sur un toast. Ou, voilà. Si tu veux que ça devienne une mousse, tu le passes vraiment au blender et ça sera vraiment haché. Là, si tu veux garder des morceaux, tu fais comme Alex. Tu vas montrer un petit peu à la caméra. Voilà. Et ça sera vraiment en miettes. Ou si tu préfères, tu prends des miettes de thon. Moi, je préfère prendre des morceaux et l'écraser. Ah oui. Je trouve que ça a une meilleure saveur que les miettes de thon. Je trouve qu'il y a beaucoup de thon. C'est déjà en miettes. Voilà. Alors, t'as bien enlevé l'eau. T'as bien enlevé l'eau qu'il y avait dedans. C'était de l'huile, en fait. Eh bien, enlève l'huile. Mais bien, voilà, c'est fini, ça. Mais les deux, j'en ai marre d'écraser. Les deux. Enlève bien l'huile. Ah, vas-y. Il fait n'importe quoi. Lui. Voilà, une fois que c'est bien écrasé, on va mettre la moitié. On va mettre la moitié restante du fromage qu'on avait tout à l'heure, la moitié de la boîte qui nous restait. Ouais. Voilà.
Et on va continuer à mélanger. Voilà. Alex, c'est ton job du jour. En fait, aujourd'hui, on fait robot. Voilà. Ouais. Mélange bien, mélange bien. Si tu veux, tu peux. Attends, tu peux tourner. Si, voilà. Si on a un plus grand saladier, on peut le faire avec un fouet. Et c'est bien, ça sera bien mélangé. Un fouet, on va. Alors, si on trouve qu'il y a assez de fromage, ben, c'est parfait. Si on a envie d'en rajouter, c'est selon les goûts. Hein. Si on a envie d'en rajouter, que ça soit un peu plus crémeux, on peut rajouter un peu de fromage. Moi, je trouve qu'il y en a assez. Qu'est-ce qu'on pense, toi, Alex ? C'est assez crémeux. Voilà. Donc, on a bien mélangé. Alex va mettre quelques pincées de sel et poivre. Combien ? Deux, trois, pas plus. Oui. Deux. Allez, tu mélanges. Tu remélanges après sel et poivre. À ce moment-là, je rajoute la ciboulette, la queue d'oignon. Attends, pose-le. Voilà, merci. Hop, hop, hop. La queue d'oignon et on remélange. Ça enlève du sucre ou pas ? On a la ciboulette, moi. Que d'oignon. Que d'oignon. Allez. Mélange. Parfait. Voilà. Là, je prends l'oignon, pas l'oignon, pardon, le citron. Je le coupe en deux. Voilà. Je coupe le citron en deux. Alors, Alex a super bien écrasé. Bon. Allez, il y a tout le jus. Et je mets un filet de citron. Je fais attention à récupérer les pépins pour pas que ça tombe dedans. Hop. Ah, j'en ai fait combien ? Hop là. Bon, un filet de citron. Et Alex, remélange. La moitié, mais la moitié du citron, mais tu n'es pas obligé de le mettre entier. Tu mets deux filets. Et après, on fait quoi de vrai du citron ? Tu le mets dans un verre de frigidaire. Bien écrasé maintenant. Tu le gardes dans ton frigidaire et tu fais un bon jus de citron. Ça a l'air bon. Voilà. Ouais. Chef. Je cherche du pain et je vais les mettre au chaud dedans. Voilà. Parfait. Et après, tu disposes ça bah, soit dans un petit ramequin, comme ça. Soit si tu as des invités que tu veux en mettre à plusieurs endroits, tu mets dans des petites verrines. Ouais. Tu vois, et ouais. Comme ça, tu peux disposer à plusieurs endroits de la table. Hop. Moi, je vais chercher du pain. Ah ouais, du pain. Voilà. Une petite verrine. Une deuxième petite verrine. Et puis le restant. Sandra qui dit miam. Salut Sandra. Avec les, c'est vrai que moi. Franchement. Sandra, on t'attend à bien manger avec lui. Un peu loin, mais bon. Donc on aime mon compte. Sandra, elle est bien servie à la maison quand même. Oui, oui, Sandra, elle est bien servie à la maison. Voilà. Donc on a réussi à faire deux petites verrines. Je pense qu'on aurait pu en faire six. Et, ou un petit pot, comme vous préférez. Et puis tu l'accompagnes de pain. Voilà, moi j'ai mis un peu de tout, j'ai mis des crackers, j'ai mis un peu de pain, j'ai mis un peu de l'âne, hop, mis dessus. Et c'est bon. C'est rapide hein, celui-là. Hein. Ouais, facile, rapide. Bon, on n'a pas goûté, mais entre-temps, vous pouvez toujours. Ah, t'as déjà goûté. Vous pouvez toujours goûter pour voir si c'est assez salé, si c'est pas assez salé. Donc là, on a pris trois apéros. Attends, parce que je vais mettre un peu tout quoi.
On va essayer de mettre. Bon, ben voilà, on va pouvoir manger. Tu peux commencer à mettre dessus. Tu mets un petit peu dessus. Voilà, du coup, nous, on a les trois apéros. C'était pour mettre, mais bon, c'était plus facile. J'attends que vous ayez fini et puis on va faire un petit topo sur les ingrédients. Voilà. Bon, ben voilà, il y a trois apéros qui sont faits. Emilie et Missola sont en train de terminer. Oui. Ça va vous faire un rappel de toutes les tous les ingrédients par recette. Et puis après, on va passer à la dégustation parce que c'est vraiment intéressant. Ça. Ah ouais, on va manger. Ouais. On va goûter. Allez. Et en plus, c'est l'heure chez moi. 6h20, ouais, presque l'heure de l'apéro. C'est nous aussi, hein. Puis ça sent bon en plus. Ça sent bon, Dis oui, dis oui. Enfin, ça sent la carotte de concombre. Non, ça sent ça, là. À part les moches que toi, tu as fait, sinon, c'est... Moi, j'aurais bien voulu qu'on mette les noms dessus. Hein. Celui-là, oui, je m'en rappelle. Celui-là, je suis persuadée, Oui, oui, je m'en rappelle. Celui-là, tu vois. Bah oui. Allez, je vous fais un petit topo pour les ingrédients sur la première recette. Sur la rosace saucisse olive qui donne ça, voilà. Donc, c'est joli, c'est pratique, c'est facile. Enfin, c'est pratique, oui, non, mais c'est facile, c'est pratique, tu poses sur la table, chacun se sert. Soit on coupe des petites pétales, soit on… Voilà. Donc, pour ça, il nous fallait… une pâte feuilletée. Il nous fallait des saucisses. On ne s'est pas servi, on en a fait, nous on en a fait 6, on s'est servi que de la moitié de la pâte feuilletée. Les saucisses, on en a pris que 4 aussi. Et puis des olives, on en a pris, je crois, 16 à peu près. C'est ça, si je ne dis pas bêtise, oui, c'est ça, 16. C'était tout simple, ça faisait des bandes. Vous regarderez un peu la vidéo, le début de la vidéo en replay. Vous faisiez des bandes, de la moutarde dessus, ça s'enroule comme un bracelet, et puis après, ça se pince et ça fait des. Belle rosace comme ça, quand c'est bien fait par Clara, et quand c'est fait par Alex qui débute, ça donne des trucs comme des papillons. On pourrait appeler ça un papillon. Ben, je ne sais pas trop. C'était même plus joli comme ça. La fleur, la fleur de Farah et le voilà, et l'espèce de fleur papillon d'Alex. Celui d'Alex. Ouais. Voilà, ça c'est pour le premier. Le deuxième, on est parti sur des roulés de concombres. Moi, j'ai fait carottes parce que j'avais des carottes, donc j'ai essayé et ça marche bien aussi. Donc, pour ça, c'était la moitié d'un concombre, la moitié d'une. On a mis la moitié d'un pot de fromage frais, quelle que soit la marque, nature. On a rajouté de la queue d'oignon, ciboulette et de l'ail, une douze d'ail, sel, poivre. On a coupé des tranches, on les a enroulées. Ça tient, c'est nickel, c'est frais, c'est bon. C'est vendu. Et ça, j'achète. Bah écoute, je t'en prie. Merci. Après, le dernier apéro, c'était. Attends, j'écoute le bruit qu'il va y avoir. Comment ? J'écoute le bruit. T'entends qu'il mange ? Non, la bouteille. Ah, la bouteille, d'accord. La bouteille d'alcool est dangereuse pour la santé. Allez, le troisième. Wow. À la vôtre. Et le dernier apéro, c'était la mousse de thon, une boîte de thon qu'on a écrasée. On a rajouté le restant du paquet de fromage frais qui nous restait, enfin, fromage nature qui nous restait. Ciboulette, deux filets de citron, le tout écrasé, mis dans des petites verrines à déguster sur du pain, sur un cracker, sur ce que vous avez envie. Et moi, je me laisse tenter. Ah ouais. Je vais vous dire si... Bon, bah attends, on peut regarder le leurre. Montrez les vôtres. Merci. Bon, sinon, il les dispose moins et il nous envoie en photo s'il préfère. Parce que là, nos photos, c'est fini. Non, on va faire une jolie photo sur ce qui reste. On va pas tout. Alors, montre-nous. Alors, dis-nous tout. Ouais, super, ça va. Ouais. Pour une première, c'est bien. Bon, Parce que ça n'a pas trop collé, mais bon. Ça tombe bien. Là,
Si, si, ils sont bien. Et en a qui sont un peu trop serrés. Super, ouais. C'est bon. Bon, bah, à la vôtre, hein, on va goûter. Moi, je vais goûter un petit roulé. Alex, la mousse de thon était comment? Très bonne. Moi, je vais goûter la mousse de thon aussi. Yep. Moi, je suis pas. Toi, tu commences par quoi, Ludo? Par le premier. Ah, bah ouais. Par le premier. Alex, si tu veux le premier. Non, non, non. Et ben voilà. Bon, on y est. Ce live est fini. C'était pas trop compliqué. C'était assez facile. Ouais, ça va. Un peu plus compliqué pour faire les roulés parce qu'il faut. Il y a une technique de serrer ou pas trop serrer. Sinon, bah, écoute, les fleurs, une fois, deux fois, et puis après, on y arrive, hein, ça fait des jolies fleurs. Hein. Ouais. Et puis, la mousse de thon, c'est vraiment facile, c'est vraiment pratique, facile, vite fait. Donc, voilà, bah, j'espère que ça a plu, que la recette, elle a plu. Bah, nous, c'était sympa. Alex, c'était sympa de cuisiner. Un instant. Quand tu auras fini de manger, tu me diras si c'était sympa de cuisiner. À la vôtre. Ouais, c'est sympa de cuisiner. On va faire d'autres des vidéos comme ça, en live ou pas en live d'ailleurs. Nous, on va sortir un peu du confinement. On va aller voir ce qui se passe dehors. On va faire des vidéos quand même. Mais... On vous racontera. Premier. Ouais. On vous enverra des photos, etc. Alors, je vais faire un petit coucou à ma maman, son anniversaire aujourd'hui. Oui, c'est son anniversaire. Bon anniversaire à ta maman. C'est un peu dur pour les anniversaires, c'est ce qui est le plus dur je pense dans le confinement, c'est de se retrouver un peu loin de ceux qu'on aime dans ces moments-là, mais bon, un anniversaire c'est pas grave, vous vous rattraperez, vous le ferez. Ouais, ouais. En plus on est deux, tu vois, les deux, on est tous les deux loin, loin d'elle, donc… Ah, ils sont seuls. Ouais. Bon, heureusement qu'il y a Internet. Hein. Heureusement qu'il y a Internet, que vous pouvez communiquer. Donc, ouais. Vous n'avez pas MTN, Malan. mais bon, elle est bien entourée aussi avec ses sœurs, aussi mon père également. Ouais, voilà. Elle n'est pas toute seule. Voilà. C'est le principal. En tout cas, c'est super bon. Hein. J'ai tout goûté, là. Belle expérience. Et bien, bah, super pour cette recette. On verra ce qu'on fait. On verra ce qu'on fait la prochaine recette. On verra qui on invite. On invitera quelqu'un qui a Internet. On aurait changé. Hein. Ouais, d'ici là, oui, il aura peut-être changé d'opérateur. Et puis, bah, voilà. Puis on sera peut-être la prochaine fois le bol renversé. La prochaine fois, on fait le bol renversé. C'est toi qui guide la recette. C'est ça. Ouais. D'accord. Sans problème. Allez, super. Ça marche. Merci. Bah, merci tout le monde. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé des messages, qui ont suivi, qui ont fait la recette. Merci d'être là. Merci à vous deux d'être, je ne vais pas dire toujours partant, parce que c'est vous qui étiez partant à la base. C'est vous qui avez eu la super idée. C'est vous qui avez eu la super idée de dire allez, on fait un live. Donc, super, super. Merci à vous deux. Puis on va continuer un petit peu comme ça. Puis on va voir ce que ça donne. Si les gens aiment, apparemment la dernière avait super bien marché. Moi j'ai eu des super bons retours. Ouais. Et puis là, j'espère qu'elle marchera aussi parce que c'est assez facile. On va essayer de rester dans des budgets pas trop chers pour que tout le monde puisse avoir accès. Et puis dans des ingrédients qu'on a nous sur les îles parce qu'on n'a pas tout comme en Europe. Donc on va rester dans des budgets comme ça et puis des choses accessibles un peu pour tout le monde. Facile à faire, parce qu'on y arrive, il n'y a pas de raison que les autres n'y arrivent pas. Et puis, on va rester sur ce, jusqu'à ce que ça se développe. Et puis, peut-être qu'on va se retrouver et puis qu'on va monter un restaurant tous les quatre, on ne sait pas. Hein. On ne sait pas. Voilà. On ne sait pas. C'est bien. Un restaurant avec une scène. Ouais, un piano bar. Un peu, piano bar, Marlène disait hier, moi je sais où je serai au bar. Tiens, pourquoi ? Oui. Merci beaucoup d'avoir suivi, likez, partagez. Merci à vous deux. Merci à vous deux. Je vous embrasse. À bientôt. Oui. Salut.
Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.